Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Sopental. Alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo, donc j'ai jamais fait mais je vais vous montrer mon casier. Donc tout vous présenter, mes skins et tout ça. Donc voilà, let's go, on va dans le casier. Donc voilà, donc déjà on va aller voir les skins. Donc alors on va monter, donc mes légendaires les gars. Ben, ici on a Ambre, donc voilà, c'était le passe de combat, Calamité, c'est aussi passe de combat. Chef de l'équipe rose, chevalier rouge, Glacia, c'était dans un pack aventureux, je crois, si je me souviens bien. Le prisonnier, donc voilà, la saison 9, je crois. Hybride, donc voilà aussi, saison 9. Déclic, donc voilà, déclic, le petit skin qui fait toujours plaisir. Lui aussi, c'était dans le pack avec chevalier rouge, glaciaire, donc voilà. Là, on a le cœur noir, les gars, qui est en quelque sorte, les gars, donc voilà, vous pouvez l'avoir en plusieurs sortes. Voilà, dites-moi c'est quoi votre sorte préférée, les gars. Là, on a le chevalier ultime, donc c'était le passe de combat palier 10, palier 100, saison 9, 10, pardon. Là, on a le lycan, donc là, ça fait longtemps, c'était saison 6 ou 7. Là, on a lynx, là, on a nomade, donc voilà, c'est des skins passe de combat. Peinture de guerre. Alors, peinture de guerre, les gars, c'est un skin qu'on a dans Sauver le Monde quand là. Donc, roi des glaces, palier 100, saison 8. On a Rox, donc ça c'était saison 9 les gars, avec Tilted, c'était Neo Tilted, voilà, donc on a Rox, plusieurs sortes aussi. Là on a voleur de cœur glaciaire, voilà si je dis bien, qui allait avec le pack chevalière, rouge. Là on a voleur de cœur déchu, donc là on a voleur de cœur glacier, voleur de cœur déchu, qui était dans un pack à 20€, 15€ je crois. Vendetta, donc voilà, palier 100 en saison 9. Valkyrie les gars, Sentinelle, Ruin les gars, Wincon, mon premier skin les gars, dites-moi sur combien vous le mettez. Donc dites-moi combien vous le mettez. Ici on a Zenith qui est en plusieurs sortes les gars, voilà il est stylé quand même, le masque et tout. Là ici on a Marshmallow, donc voilà le petit skin qui fait plaisir. Terreur sombre, donc là on a Terreur sombre. Là on a Allié qui était un pack à 5€ les gars. Là on a Assaillant rouge qui était un pack à 5€ aussi. Là on a Cubritacé, voilà. Là on a Crépuscule, un petit skin qui fait plaisir. Là on a Cobalt qui était dans un pack à 5€. Là on a Chasseresse qui était dans un pass de combat. Chaperon aussi dans un pass de combat. Banane aussi, vous le connaissez. DJ Lama, donc voilà le petit skin DJ Lama. Étincelle qui était pour la saison 9 aussi. Là c'est un pack à 5€ aussi et il s'appelle Féline. Là c'était Fier Destiné, donc voilà c'est un petit skin Bambi avec un lama. Là on a Gardien des Clés, donc voilà qui est en plusieurs sortes, qui est en deux sortes avec son masque. Ah j'ai toujours pas débloqué ça, je sais même pas comment on fait, mais je m'en fiche. Crapeuse de Tilted, donc voilà Crapeuse de Tilted. Là on a Meta de Neo Tilted. Là on a Marteau Pilon les gars, Marteau Pilon qui est plus ou moins stylé. Ça c'était Maître Culte, donc c'était un skin de la saison 10 les gars. Là on a Poudreuse les gars, Poudreuse qui est stylée je trouve, ça va. Là on a Platine les gars, Platine donc c'est aussi un DJ Lama mais voilà. Et on l'a en quelque sorte les gars. Là on a Ninja de Froid, du Froid, ça je l'aime vraiment les gars, je trouve qu'il est stylé. Ici on a Sauveteuse, donc la Sauveteuse, voilà saison 8. Secrétaire de Guerre, donc voilà ça c'est ma Secrétaire de Guerre, donc quand je vais... Non je rigole, c'était une blague, oula. Oula, on a un peu déconné là, non? Alors, ici, on avait Ligne Rouge qui était dans un pack à 5€ aussi. Là, on a Genesis du Bunker. Donc, voilà, c'est le skin Bambi, mais c'est Genesis que l'on barre. Là, on a Grenouillère qui est en deux sortes, les gars, la Grenouillère. Donc, voilà. Là, on a Sergent Frimas. Les gars, ça, c'était saison 7. Là, on a Voyageur Éternel. Donc, voilà, on l'a en deux sortes aussi. Hop là. Donc, on l'a comme ça. Comme ça et comme ça, donc on a trois sortes, excusez-moi. Là on a Vipère en deux sortes. Là on a Vega. Là on a Trog qui est en deux sortes aussi les gars, il est stylé. Là on a Tisson, la femme du roi des glaces les gars, du roi du feu pardon, roi des glaces, qu'est-ce que je raconte. Là on a Stratus les gars, voilà c'est un petit skin sympa en deux sortes les gars encore. Voilà c'est tout des skins à deux sortes. Là on a donc c'est un skin du passe de combat de la saison 11 chapitre 2 Fortnite saison 1, voilà, c'est comme vous voulez. Donc Apogée vs Intrépide. Là on a Barbotte vs Méandre. Là on a Flamèche. Là on a Marin vs Ressac. Et là on a Poiscaille. Et là on a Soldat Laineux. Et là ils sont en deux sortes les gars. Voilà, petit skin stylé là aussi en deux sortes.
Lui il est vénère, tu vois, lui c'est le mec gentil, lui il est vénère. Et lui aussi on l'a en deux sortes. Donc voilà, ils sont plus ou moins stylés je trouve. Et voilà, là on a Soda les nœuds. Donc voilà les gars pour les skins, voilà. C'était plus ou moins, je vous ai tout raconté. Maintenant on va passer au sac à dos les gars. Donc là les sacs à dos, ben on en a quelques-uns. Donc on va vite les passer en revue. Donc on a le sac d'escalade. On va... Donc ça c'est tous des normaux, tu vois. Ça, ça allait avec le skin... j'oublie comment il s'appelle. Mais bon, enfin bref, du froid là. Là, un petit sac à dos qui change. Là, petit dragon qui fait plaisir, les gars, saison 7. Donc voilà. Là, on a le petit chien qui fait plaisir, saison 8, je crois. Donc voilà, il est pas beau, ce petit chien. Alors, on a maintenant aussi encore un petit chien, les gars. Donc, Nonos. Nonos qui est en plusieurs couleurs, les gars. Là, on a portail de clé. Donc, plus on ouvre de coffres, plus le... Et il s'ouvre, en gros, quand on ouvre des coffres. Là, on a les petits chats, donc il y en a plein, tu vois. C'est des animaux, là, caméléon et tout ça. Là, on a le capteur dorsal. Surveiller la tempête en temps réel. Donc, en gros, il fait partie d'un centre donc réactif. Donc, en gros, quand la tempête est là, ça fait un petit bruit. Là, c'est cuirassé blindé. Donc, ça allait avec le pack... avec ce pack-ci. Regardez, les gars, à 5 euros. J'oublie comment il s'appelle parce que je connais pas tous les noms des skins. Hein. Avec celui-là. Cobalt, donc voilà, il est avec Cobalt. Alors ici on a les petits skins, donc voilà, du palier 100, c'était le skin qui va avec le skin du palier 100. Là, roi des glaces. Là, c'est, j'ai oublié, c'était quoi encore? Ça, je crois que c'était avec le... J'ai oublié comment il s'appelle. Enfin bref, avec Ambre, ça, avec Lican, ça c'est le petit truc Lican. Ça, c'est avec le dernier, voilà. Alors ici on a donc les petites ailes, les gars, qui faisaient partie du pass, enfin pas du pass, du truc à 20 euros là, le pack à 20 euros. Donc voilà ces trois là, voilà. Donc là voilà, pour ça on a un peu tout fait, je vais pas tout vous dire parce qu'il y en a beaucoup, mais donc voilà, c'est plus ou moins ça, c'est bien, tu vois, c'est des petites capes tranquilles, mais ça je mets pas souvent, tu vois, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, alors on va passer aux pioches. Les pioches, ça j'en ai quelques-unes aussi, donc on va pas toutes les citer, mais ça va, il y en a pas énormément. Donc la pioche pioche de base, voilà, que tout le monde connaît. Éclat rose, écracheuse classique, hache luxe 1, donc c'est toutes des haches à 200 V-Bucks ça. Alors ça c'était terreur, ça allait avec la ruine, le skin ruine. Ça voilà, c'est double pioche. Ça c'est, elle est stylée les gars, en plusieurs couleurs, elle est stylée quand on frappe avec, je trouve que ça passe, elle est stylée. Alors là on a omniscente, donc voilà, c'est toutes des petites pioches comme ça. Là on a double pioche harmonique, donc voilà les gars, ça c'est allé avec le pass, donc c'est de là ça allait avec le pass. Maintenant les planeurs, donc voilà les planeurs, je vais pas tout vous les faire, donc là voilà, palier 100, dragon, requin, voilà quoi, toutes des petits skins plus ou moins sympas. Là tous mes parapluies, tous les skins à 200, ça c'était à 500, ça c'était à 1500, ça c'était à 2000, donc j'en ai que deux à 2000 les gars, donc voilà. Et maintenant mes traînées, ça je vais pas vous les montrer vraiment parce qu'on va pas s'attarder sur ça, mais j'en ai quelques-unes. Comme vous pouvez le voir, elles sont plus ou moins stylées. Donc voilà, hop là. Toutes des traînées à 200 V-Bucks je crois. Maintenant les danses, par contre ça je vais pas vraiment m'attarder là-dessus non plus. Donc voilà, je vous les passe juste en revue, donc voilà. Des petites danses sympas, tu vois. Pour gagner les passes de combat. Le petit à plat, tombante que je viens juste de recevoir. Donc voilà, les petits tacs qui font plaisir à 200 V-Bucks. Ouais, et des tags j'en ai beaucoup hein les gars. Franchement là j'en ai beaucoup. La petite danse de basse, danse classique les gars, que tout le monde connaît, danse bambi on va dire. Alors les camouflages non plus je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas très intéressant, mais voilà, plus ou moins mes camouflages. Je trouve qu'ils sont stylés les gars, c'est souvent je les ai gagnés dans des passes de combat où je les ai achetés. Donc voilà les gars, je crois que j'en ai acheté plus ou moins quelques-uns, mais ça par exemple c'était des défis qu'on faisait et on les avait gratuits. Donc voilà. Ça allait avec Flamèche, les gars, nuages dorés, donc voilà, avec Shin. Alors, les bannières, ça, c'est un peu comme tout le monde. Voilà, quoi. Enfin, bref, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Oh, merde. Attends. Hop là. Retour. Maintenant, on a les musiques. Ça, les musiques, j'en mets jamais parce que ça m'énerve, mais voilà, quoi. Oh, quoi que, celle-là, elle est bien. Donc, voilà, toutes mes musiques, les gars. Moi, j'en ai quelques-unes, mais c'est pas très important. On les gagne souvent dans le pass de combat, les gars, les musiques. Voilà, c'est des petites musiques qui font plaisir. Voilà, moi, ma préférée, c'est celle-là encore. Le Nouveau Monde. Moi, c'est ça, mon camouflage préféré d'armes.
Et par contre, ça c'est pas du tout intéressant, mais je vous les montre quand même. Ça c'est mes écrans de chargement, donc voilà, on se fait pas souvent gratuit. J'en ai jamais acheté aucun. Donc là j'en ai quelques-uns, quoi. Comme vous pouvez le voir, qui font plaisir, tu vois. Ça on avait gratuit, par exemple, ça on l'a gagné, c'est aussi gratuit. Donc voilà. Donc les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et dites-moi en commentaire, vous trouvez mes skins et tout ça, vous trouvez que mon compte il vaut combien d'euros? Donc voilà, je sais pas, 300, 400, vous me dites combien vous trouvez. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça les gars. Allez.